Eh bien bonjour à tous les amis, aujourd'hui sur Frosty Games, on se retrouve dans la vidéo et dans ces jours je vais simplement vous faire un room tour de mon appartement en Espagne à côté du McDonald's. Donc voilà, là on va commencer avec la petite terrasse. Elle est vraiment très 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 belle, elle est immense. Franchement elle est vraiment très très grande avec un petit pilier ici. Voilà, bon je filme avec mon téléphone, je suis désolé mais j'ai oublié ma caméra chez moi. Voilà, j'allais pas la prendre pour le voyage. Là on a une petite table sympa. Voilà. Désolé pour le bruit mais bon, il y a l'asile. Là ici il y a le McDonald's juste ici, voilà on a une belle petite vue ici. Et on va tout simplement rentrer. Donc là on a le magnifique lit de place. Voilà. Voilà, il y a mes chaussures. Voilà. On a le lit. Je vais vous faire une grand angle un peu. Je vais essayer. Voilà. Là aussi, il y a encore des chaussures. C'est un peu le bordel, c'est vrai. Mais voilà, elle est très 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 belle. Ici on a un petit miroir. Salut, voilà. C'est vrai que j'ai oublié de prendre ma caméra, je suis désolé. Voilà, bon, après ici on a la porte. Voilà, non-fumeur. Voilà. J'ai un petit frigo, donc franchement c'est trop 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 utile. Ici je mets tout ce qui est bouteille d'eau et tout, parce qu'en Espagne, vous savez, on peut pas trop boire l'eau du robinet. Là on a des petites étagères bon, qui servent un peu à rien. Voilà, là on a la lampe. On a le lit. Bon, il n'est pas fait. Je suis entièrement désolé. Le lit est pas fait. Mais bon, c'est juste un petit room tour assez sympa. Moi, j'aime beaucoup. J'aime énormément la déco derrière. Le marron sur du. Cette pierre, un peu. Voilà. Voilà, bon, ici, on a une valise. Là, c'est un petit t-shirt que j'ai acheté. Que je vous ferai une vidéo présentation. Voilà, j'ai un autre truc aussi qui est en dessous. Mais bon, je vais pas trop vous spoil. Là, on a. Trois miroirs, c'est un peu bizarre, on se sent un peu découpé, voilà. Après ici, bon, on a la base, j'ai envie de dire l'armoire, voilà, avec quelques petits trucs. Là, il y a mon casque et un coffre-fort, bon, il n'y a rien dedans, mais bon, c'est là, c'est quand même là. Là, ici, j'ai mon casque pour écouter des vidéos et tout. Et ici, on a la salle de bain. Alors là, vous allez avoir un bruit de fond, c'est normal, je m'en excuse, mais voilà. Bon, ici on a un petit bidet, bon, ça sert à rien, mais il est là. Voilà, ici, bon, on a les toilettes, bon, serviettes. Et là, on a la vasque, voilà, avec encore un miroir et un sèche-cheveux. C'est la première fois que je vois un sèche-cheveux dans un hôtel. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même sympa. Voilà. Et bon, là, après, on a la douche. La douche, c'est vrai qu'elle est petite. Ouh, la mise au point. Voilà. La douche, c'est vrai qu'elle est quand même petite. Mais... comparé à une autre chambre, parce qu'en fait je suis pas tout seul ici, et c'est vrai que dans l'autre chambre c'est pareil, c'est juste là en fait que la douche là ben, elle part jusqu'à là, et en fait le truc bon, il n'y a pas le. Après, c'est vrai, il n'y a pas le gros pilier en pierre ici, mais voilà. Mais c'est vrai que moi ma douche est un petit peu petite, mais bon, après franchement c'est parfait, ça fait le taf, c'est l'importance. Voilà, belle petite chambre, le lit il est trop 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 bien. Le seul problème c'est que la télé ben, c'est en espagnol et je comprends rien, voilà. Mais sinon franchement c'est nickel. On peut pas demander plus. Voilà, c'est très 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 beau. Hop, on va sortir. Donc voilà. Et ben voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vais vous laisser sur cette belle petite vue. Voilà. Cette belle petite vue. Parce qu'après en fait de l'autre côté il y a rien. De l'autre côté, ben, en fait, il y a le mur, donc on peut pas voir. Donc ben, voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo, si elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Rudy Games. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez. Ciao.